Abdi Londolé, le célèbre journaliste. Chers amis, merci beaucoup, chers internautes, ou bien chers téléspectateurs, ça dépend sur quel canal ou bien sur quelle diffusion vous intenterez de nous regarder ou de nous écouter. Libota Nanzam, mais bah c'est là. Pourquoi? Parce que Wapeba Yomoni, parole Nanzam, mais bah qui s'anipe et coule. Il y a un homme de Dieu, un pasteur qui s'est dit, voilà, j'ai prêché, j'ai évangélisé, mais maintenant je vais aussi chanter. Il a voulu chanter, il a chanté évidemment l'album Moko Toroyoka, Bokoyeba Kile, est-ce que Tiki Kote, est-ce que Alloué Pasteur ou bien comme côté Anandela la Biblia, Boyoka, Botala, Bolanaï, Azanabisolo, parce que Azokimsa album naï komonango. Fils du charpentier. Moi, il y a mon tour à Salaka, à Mabaya, au Moni, Batouba Salaka, Mabaya, place les Okum, à Boutamaki, Papa Naye, Baponaki, mon tour à Salaka, Mabaya. Les amours salaires, le Kumu Péa, moi. Tango Nazalaki n'a pas si papa, Yobiki Singa. Nazala ki moku fi awe yo se kwisinga ona bolingo na yo ne kulusu masia zalo kumu aina zangi eloko ya kopesa yo se matondie nakopila kaka yo Yesu nakopila Tu vas pour prêcher. Oui, d'accord. Bien sûr, oui.
Est-ce que cela ne suffisait pas aujourd'hui pour que tu fasses des chansons? Non, d'abord, j'ai une formation artistique. Je suis un diplômé de l'ENA. Et je détiens un diplôme de l'université à l'ENA depuis 1996. Je suis d'abord artiste. Donc c'est à partir de là, parce qu'à un certain moment, j'ai joué avec des gâteaux divins, j'étais comme un pianiste de réserve de Koffi Olomidé vers les années 90. Et après, c'est à partir de là que j'ai été lancé dans la musique chrétienne. Et étant dans la musique chrétienne, le Seigneur m'a touché, j'ai commencé à servir le Seigneur. À un certain moment, j'avais abandonné la musique pour évoluer dans l'évangélisation et l'intercession. Et mon pasteur m'avait convaincu de continuer toujours parce que c'est ça le don que le Seigneur m'a donné d'abord. Alors, Tourolobaki, pasteur, Ojalakina, Nouyemi, Bongo, au Komi Kouselanzam, Nouyemi, Apo Komi Kouselanzam, Nouyemi, Apo Kouselanzam, Apo Komi Nouyemi. Non, Nouyemi était musicien, artiste, musicien, Nouyemi était à piano, à guitare. Ah, Nouyemi, 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 il y a une musique qui a été et à l'église et à partir de l'église, nous avons touché à le Seigneur me prête le de vie chaque matin, sans me demander quelque chose en retour. Et puis, qu'est-ce que moi je peux lui donner si ce n'est que mettre à son service le talent, tous les dons qu'il m'a donné, c'est ça. Et c'est que tu as fait. Alors, pasteur, qu'est-ce qu'on va se dire? On va se dire, on a entendu que le pasteur va ordonner qui est ce qui peut pas bondir, ça qui va, ça qui est bondir, c'est lui, ordonner en tant que prophète. Mais tu t'es retiré ou bien tu n'as pas, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Non, écoutez, le Seigneur m'a appelé comme un prophète, et j'ai été ordonné aussi comme un prophète, mais c'est comme partout ailleurs, même aux États-Unis, on appelle tous serviteurs de Dieu d'une manière péjorative, abusive, pasteur. Même en anglais, tous les pasteurs, que ce soit un évangéliste, un prophète, un docteur, on les appelle toujours pasteur. C'est normal, bah, si tu m'appelles pasteur, c'est pas... Quand on a voulu t'ordonner prophète, qu'est-ce qui s'est passé? Non, d'abord, j'avais eu des prophéties, des messages que le Seigneur me donnait. Et le Seigneur avait parlé aussi à mon pasteur, je pense que c'était en 1994. Et après, un certain temps, j'avais des rêves, des visions que j'écrivais. J'ai un cahier que je garde jusqu'à aujourd'hui. Je l'amène partout où je vais. Et c'est là que j'écrivais toutes mes prophéties. Et à un certain moment, un autre pasteur est venu. Il a confirmé le message. C'était à Kinshasa. Et quand je suis arrivé pendant Londres, j'étais dans un service qui était animé par un prophète américain. Il a confirmé encore le message. Et mon frère, qui était pasteur, il avait organisé un séminaire invitant un pasteur qui était venu de la Suisse. Il a confirmé. Donc il y avait eu des confirmations avant même que je commence à me présenter comme étant un serviteur de Dieu. Et après, j'ai évolué plutôt auprès d'un pasteur qui avait remarqué ce ministère au-dedans de moi. Et puis, il m'a demandé si on pouvait prendre un temps de prière. On a fait un jeûne de 7 jours et 7 nuits à sec. On a prié, le Seigneur lui a confirmé, c'est alors qu'il avait accepté de m'ordonner. Je ne lui avais jamais demandé ça. Je n'avais jamais demandé au Seigneur de devenir pasteur un jour, prophète. Non. D'ailleurs, je n'aimais pas ça. Yango, pasteur de Roquet Naboué. Mon amontonné, surtout à ça, la soit aux Amoubembo, nous avons l'habitude évidemment de voir comment. C'est lui qui les rassembleur de Madame Binza qui organise la soirée des Binza le 29 et le 31 juillet ou à Bengini Binza au Félé. Avant qu'il y ait un Mboka, il y a toujours une météo, ça y est, température. Dans une zone qui est Belgique, dans zone Malibana, le Kobe Tabata a toujours météo. Tu as quitté les États-Unis, au lieu. Au quotidien marché à la musique et pas y'a puis batouma le coffre badam bouta ma mimi ma vatikouré ma bazoïe ma bachiba dévédé la barose tekama parce que quand tu fais ça et comme ça la CD c'est pas y'a l'or bon peu basali il faut un bon écoute alors on en face d'un artiste ou bien d'un homme d'affaires premièrement on gagne pour ça la CD et c'est pas dans un but pécunier mais ça parce que je suis en commun dans le 1992, Seigneur, le fils du charpentier, où il a fait ce même titre et album, la commande en 1992, dans lequel il a encore étudiant.
Donc, l'idée ressemble à la musique qu'on a dans le monde. Ceux qui m'ont dit dans la l'église déjà, parce que j'ai tous les critères où un pasteur à cause en haut. Je ne vends pas, mais je prêche bien. Et puis, la course à l'église, mais ceux qui n'ont pas un bon, on va voir ça dans le monde. Alors, toi, le Bonito, le qui va céder à pasteur, lui va démêler à pasteur et vous allez en faire l'été. Ils allons faire l'été parce que ça coûte de l'argent pour entrer au studio, ça coûte de l'argent pour faire la promo. Ça pasteur, l'argent pour connaître ça en monde. Ils ont monté. Parce que c'est nous, c'est tout tes capots, ou donc ça monte. Non, il y a des gens qui ont travaillé avec moi, où il faut qu'on foute en haut. Et ils ont un studio, le studio n'a travaillé à un maté. Même si ils ont acquis un matériel, il faut les acheter. Mais écoutez, moi je ne peux pas commencer à travailler dans un bon endroit, il a payé sa rabattu, la seule rabattu, l'autre, donc non, écoutez. Ils ont voté quand même pour nous soutenir, puis on s'en a zambé. Mais le but de Bosso, la seule qui s'est déroulée, ils n'ont pas encore mis en zambé. Mais à part ça, ils ont l'action sous permettre de faire ça, c'est une école, mettre sur le gros, créer un comité, CDO, ils sont été camés, c'est des mots partout au terrain dans le monde. C'est ça pour vous promettre vraiment dans le Congo. Partout côté comme la CDM qu'on a dit, la CDM peut avoir un dixième, il y a Oyongaï, la routine, soit dans l'organisme Mongo, ou les gens sont payés dans la Congo. Que Dieu blesse que Nzambi Ayo Kamakamolobi. Alors pasteur, tant que vous avez mis ça, CD, la DVD là, au moment où tant que vous avez place, vous avez la CD, la DVD. J'espère que Maman Gabi Azana au contraire raté. Tant que tout le monde a sémé bébé, il n'y a pas eu l'homme, il n'y a pas eu l'homme, il n'y a pas eu l'homme. Si on a mis ça, Alice, il faut m'en zambé pour ne citer que Batouana. Il y a eu l'homme qui a été, ce que vous avez eu, au Tiepé, na Talata, la Batoubaye, Batangi, moi, comme Balé Misato, Bazio, Papouni, Bassomi. Moi d'abord, l'homme, il y a eu l'homme qui a motivé un message, on a eu l'homme qui a eu concurrence, je ne vois pas ça parce que mon idée de toi, je ne pas dit au rôle de la news, mais nous avons ça que nous avons atteint le monde à Oyoza Moté. Parce que si on vit son union, surtout à qui on est l'eau comme mon corps, qui est l'eau à riche des complémentarités, nous avons la terre. Laure Mbongo, c'est une grande chanteuse, Azali, dans 400% dans Zambé, Thomas Lokofé, dans 400% dans Zambé, Rappel dans ça, 400% dans Zambé, Bibézo, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Donc, bisounir surtout ça dans Zambé, ils ont pas la gloire dans Zambé. Ce bar à marcher, il y a un an à la carte dans mon salaire pour une belle Zambé. Il faut pas un an pour tracer le chemin, puis surtout là. Donc, le cas où on a un niveau dans la moto, le cas où on a un bambou, je serai ça. Shall bow before him.
a mighty God. He's a mighty God. Jesus is the great I am. He's a great I am. Jesus is the Lord of Lords. He's a Lord of Lords. Jesus is the King of Kings. He's the King of Kings. Every knee shall bow before Him. What a mighty God. All the nations bow before Him. What a mighty God. Even the boss bows. Alors pasteur producteur na yunani moto atimbongo pone loko ezana d'abord pour la enregistrement tout location ma musicien ba moto na ma famille so na ngamona ne kai kobunda ngo pendant 3 ans ils ont facilité parce que d'abord tout ce soir au moment par-ci par-là, mais ils avaient qui ne vraiment pas si limité pour l'anga pour la bêta parce que l'instrument tout. Donc tous les pianos, on a dit tout, c'est moi qui ai fait ça. Et puis j'ai travaillé avec un frère qui a fait batterie, on a dit tout, à sa guitare, lead guitar solo, à sa rythmique et moko, à sa basse. Et il y a un frère qui était une chasse en Zamatini, il a envoyé, à bêta la basse bien, frère et panzo, il a sa deux chansons, basse dans deux chansons, et le fils de. Dans le célèbre chanteur du gospel congolais, le frère José Tsassa, sa maman, son fils, Rodney, a béti piano dans le Zemmouni Ballet. Alors voilà, tant que vous savez, loco, parce que nous avons un logo spécial, nous avons un message spécial à chaque fois que nous avons un album. Ou bien tant que nous avons la rémission, c'est parce que nous avons un solo, Alors, on a quatre, il y a combat album évidemment. Les fils du charpentier. La carte est le fils du charpentier. Message ni yoyeli batou parce que tout yoka est belé, tout yoka est belé. Alors le bas besoin t'as là-haut pour la repérer ça vraiment évidemment pour ça. Bas côté dans le magasin bas sont les fils du charpentier. D'abord on a souligné nous avons travaillé la coproduction à maison diaspora des RDC et ma bêtise. Donc, on va suivre une partie en production et on va faire. Donc, pour la réponse à la question que vous posée, on a eu le titre « Le fils du charpentier » parce que nous avons eu le début de la conversion, nous avons parlé beaucoup plus sur l'humilité. Nous avons beaucoup plus sur l'humilité. Et puis, nous avons même dans la Bible, dans Matthieu 13, et si Oyo, surtout beaucoup plus dans le verset 54, dans 55, on voit que Jésus-Christ, dans la patrie, dans le village, avant de la synagogue, un jour, à Théi, tout ce qu'on va étonné, mais oui, au moins, il y a un charpentier, il y a un malade, mais il y a moins un mari. Si on a autant dans Isaïe 53, là, on a autant la paix dans l'évangile de Soussou. Je compris que Jésus-Christ est Dieu. Moi, je crois qu'il est Dieu, il est le Fils de Dieu. Jésus-Christ a un robot à manier, bien sûr qu'à l'époque, la Maison Blanche, ça a été un robot à manier, la Maison Blanche, à croire qu'on a n'importe quel palais royal, à que bout à manier, à que bout à manier, à la crèche. Non, ça, ça, on a compris que c'est le titre, mais le message à l'intérieur, c'est. Tu expliques un peu. Dans cette chanson, je parle de l'humilité que Moutou. Exemple, lui qui était Dieu, le fils du roi, il a accepté de s'humilier au point d'aller naître dans la famille d'un charpentier, par exemple. Et puis, la partie de Soussou, il y a un vase d'albâtre, le soleil, moi, c'est quoi, Marie, a été un vase d'albâtre à Panzakiamon. Jésus-Christ a mis ça qui parfum, un vase dans le bizarre, un comparé. Parfait, on les a dit, talent, qualité, on a dit, 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 on a brisé pour la qualité, on a parfait, on a essayé de saler. Ce qui vase, les a dit, brisé, parfait, on a complimenté. C'est tout un enseignement. Je suis en train d'écrire mon deuxième livre sur ça. Alors, en tout cas, les gens qui vont acheter ces CD, ils vont regarder ces DVD aussi, ils vont découvrir tout ça, comment tu as fait passer le message. Ouais. Alors, toi, le Bakézan a combien de chansons à bon moment? Toi, ça a 8 titres dans cet album. La titre, mieux sur toi, là, Pasteur Yomou, de combien de Le début d'abord, parce que Nazar, j'ai environ 40 titres, 40 chansons que j'ai écrites depuis 1992.
mais il y a un lobby qui est écrit par moi, le fils du charpentier, aujourd'hui, a été écrit par moi, Nakafuta, qui parle du temps de la fin sur le dans Matthieu 24, et comment on en a. Mais dans la compilation, il y a Saraki comme compilation adoration, il y a Frère Namsoka Shekachala, le feu mon père, le pasteur mon père Koufaki, dans le français, l'introduction dans Israël Orton, Azali, un chanteur américain, chrétien, c'est ma groupe permission, dans le groupe dans le français, Alors, pasteur, qu'on a pour tout le monde qui est sous commission et d'habitude, à ceux qui le trouvent pour commander ou pour vous, c'est parce que quand vous vous sentez dans le soleil, vous avez écrit un message pour vous. Alors, toi, tu l'as écrit de toi-même, tu as choisi, dans le groupe, exemple, il y a René Lokalobi, pour qu'on était ceux qui vont le bitou, qui a le bitou, le batté, ceux qui nous aiment bien le bitou, le batté. C'est ça pour lui qui a été. Je pense que des fois, à partir de là, ou acquérir une expérience, par exemple, dans ma personne, un message, alors aux la distraite ils ont monné par Macamora parce que la bleue belle tous ont monné là la guerre en Congo la guerre en Angola par-ci par-là la Libye je sais pas où j'en passe na où t'es monné aux États-Unis deux semaines avant là il y a tout ça qui na mon pépé mon belga qui va naître pour faire mon sous naïe des quoi qui bah Macamora belle tout ça voilà et tout ça la signe de la femme. Les signes de toi. Si on attend, ce qu'on voit, on a commencé à nous appeler ça un message, dans la mélodie. Dans le cas de mélodie, nous avons appris une année. Mais ça, nous avons mis sur la commis, ils ont dit que l'épreuve, nous avons les kissingaï, le brisement, alors on a comprendre le monde. Nous sommes dans le centre, nous apprendre leur monde en gros. Alors, le message n'a à travers l'épreuve, nous avons regardé, nous avons répété, nous avons partagé, nous avons appris ça. C'est ça.
Merci Mingi à Frère Nangaï à Dilondelé, merci vraiment. Et la équipe Mombaya Monique Paul, la Nangaï peut profiter de la paix à Bambote Mingi dans le Nikonanga à Rikisaka. Merci Mingi vraiment pour le service Nyoso. La paix à Mbote, la pasteur Nyoso et à Ali, la Bandego Nyoso, au Tosarana Bango, pasteur Kebi, pasteur GG, Bandego Nyoso, Bazali Kuna, la paix à Mbote, la Nikonanga et Prince, famille Bokoto, papi Kabongo. Yves Pengo, la Pessimbote, le pasteur Nyoso à Montréal, pasteur Thierry, Fidel, Léon Chicola, prophète Ezekiel, pasteur Richard, la Pessimbote, mini, la père spirituel, le prophète Abou Jean-Paul à Paris, maman Biti, ma femme, Bote Migi, la Bandegonio sur la diaspora RDC, Bandegonio sur la Congo, la Mukimumba, Amérique, Afrique, Asie, l'Océanie, l'Australie, celui aux Océanie, nous allons attaquer Bote Migi, vraiment, Zambé à Pambo Labino, Zambé à Pambo Labino, tout qui t'a gardé Congo, dans ma prière, dans ma bisson, dans ma biété, il y a solo Boute Rose en Laï, mais Tongo est en Arakaka, Zambé à Bosséni Congo, tous les Congo dans ma bonne ligne, Zambé à Pambo Labino. En tout cas, chers amis, je vous conseillerais vivement de découvrir cet album, l'album évidemment de notre pasteur, les fils du charpentier, le wapi paï, Thomas le coup fait à l'oubi. À l'oubi, le sang, on a mis à la monte, bon, bangouna n'a pas à la colle. Tant on a beau sang, il a mis au bangouna beaucoup zika. C'est valable pour toi, évidemment. Nous sommes tous avec toi pour te dire que nous nous sommes en train de coucou misayo album boyo et qui est vraiment les bossos. Et le coup de gros, vous souhaitez vraiment un voilà. Merci, ma soeur, on dit à l'écart vraiment. Mais ça n'a pas eu, ça va tout ça. Mais bon, les lots de l'émission, on lui a dit le bas, papa Moulio. En tout cas, Ndambe Asala Mingi Nakatina. Merci vraiment, Ndambe Pamoule, Sosomi, papa a dit. En tout cas, Pamoule, équipe Moulimba Monique Production. Donc, bienvenue sur vraiment pour la contribution comme ça. En tout cas, merci beaucoup. C'est mon dire que derrière la caméra, Alain Mbenza, le caméraman, réalisateur, l'inspirateur, Monique Proud, c'est-à-dire, là, vous voulez quoi, quoi. Patti Baye, merci beaucoup, il a voulu participer à cet élément spécialement, il est venu voir son collègue Monique Proud. A bon moment, il y a un autre message, 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 Gigalé, tout ça c'est maintenant commandant. L'Ikanisa Malambo, vous avez malgré malgré ça pour savoir les enquêtes n'a pas bon. Tant que vous l'Ikanisa vous sentez ça, nous avons pas un avion mais bangou n'a pas été bon. Bon yo, yo zotal, bino vous zotal. Bon pour moi, nous avons besoin d'un bino. C'était Adil Ondolé, le célèbre journaliste beau comme un dieu. Je vous dis merci. Adil Ondolé, le bimabé. On est dans les studios Hot Track avec Monsieur Azaya, que j'ai surnommé Monsieur Tube, pour la préparation de l'album de Lil Shy. Salut, c'est Lil Shy. Lil Shy, retenez bien ce nom. Lil Shy, c'est la future révélation gospel de l'année. Bonjour à tous, je m'appelle Lil Shy, j'ai 11 ans, je suis en 6e. Donc Monique à la prod, toi-même tu sais. Donc là on est en train de préparer les choses, on est en train de faire les choses proprement, doucement, doucement. Mais ça va venir, ça va venir et ça va être chaud. Si j'ai décidé de chanter, c'est pour témoigner mon amour envers Jésus. C'est Mr. Hot Track, Azaya voilà. Nous sommes en pleine session d'enregistrement avec Lil Shy. Et ça va être du bon. Donc j'espère que vous serez très réceptifs quand l'album va sortir. One. Préparez-vous, Lil Shy bientôt dans les bacs.